Ça, c'est l'île d'Anderson. Et elle a une particularité de fou. C'est une des îles les plus isolées de la planète, située dans le Pacifique Sud, et personne n'y habite. Ça, c'était il y a plus de 30 ans, et maintenant ça ressemble à ça. En 2017, une chercheuse a estimé qu'il y avait 38 millions de déchets sur cette île. Mais alors, pourquoi autant de déchets s'échouent sur cette île? C'est super simple. Quand des courants d'eau se croisent, ça peut créer un tourbillon qui peut transporter tout un tas de choses. On appelle ça un gyre. Près de l'île, on a le gyre du Pacifique Sud, et il est énorme. Et vu qu'il transporte tout, on se retrouve avec tout un tas de déchets et cette catastrophe écologique. Et pour plus d'infos, rendez-vous au Musée Mer Marine à Bordeaux pour l'exposition en partenariat avec National Geographic. Et pour rester curieux tous les jours, abonne-toi.